En nous mettant debout ensemble. J'ai mis sang sur l'esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube luit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donnez-lui votre cœur. Que des larmes et que des chutes dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donnez-lui votre cœur. Venez dans des gaules vieilles, que découragés. Que pourrait votre énergie, pauvre naufragé? Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donnez-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis. Voir aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donnez-lui votre cœur. Amen. Frères et sœurs, bonsoir. 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 Donc, nous disons à chaque monde qui a bon sabbat dans le Seigneur. Et nous contents pour que nous soyons capables ensemble en ce soir, mais aussi et surtout parce que nous avons pasteur Sénèque et Edmond ensemble avec nous. Et le temps n'est pas dans la présentation du pasteur, mais ce serait incongru que il y ait un monde qui n'a pas. Demander qui est cet homme. Et c'est pasteur Sénèque Edmond qui est là pour le passer toute semaine là, ensemble avec nous, la prêcher demain, la prêcher toute semaine là, sabbat prochain. Lui ensemble avec nous, n'a bien pour nous présenter lui demain, mais en attendant et accepter que c'est un pasteur de l'église adventiste du 7e jour, c'est un cadre et de l'église, c'est un avenir même de l'église adventiste. Donc nous comptons pour nous gagner et notre collègue pasteur Sénèque ensemble avec nous qui parle parler beaucoup des fondements, des doctrines de l'église, pas surtout dans le sens le sabbat, la loi, le baptême, etc. Nous connaissons là, mais surtout
aidez-nous à comprendre comme adventiste du septième jour les fondements même, c'est qui ça qui l'église adventiste, qui ça qui permet que nous là, pour qui ça nous là, qui côté nous pour aller, qui ça que nous devons faire. Et nous souhaitons que nous capables de mener ensemble avec nous des visiteurs. Mais si pas t'as gagné des visiteurs, et bien ça va être un moment spécial avec pasteur Sénèque, avec l'église adventiste Bethany de Houston. Donc quittez-nous avec pasteur Sénèque. Bon sabbat, bonne écoute. Frères et sœurs de Bethany, bonsoir et bon sabbat dans le Seigneur. Il y a quelqu'un qui va répondre moi. Alors, si me dit bonsoir, il y a quelqu'un qui va répondre moi, ça veut dire pas bienvenue. Frères et sœurs, bonsoir et bon sabbat dans le Seigneur. Je suis content pour me la souhaiter. Et je voulais dire merci à l'église et Bethany pour l'invitation. Et me souhaiter ardemment que le Seigneur est capable d'utiliser dans la proclamation de sa parole au cours de cette semaine. Je gagne une passion. Son passion, et quel que soit à côté de me passer, il y a pour aller, toujours tenté de me parler du sanctuaire. Je me dis tout le temps que y a un monde qui ne pas comprendre le sanctuaire, pas comprendre la Bible. Et y a un monde qui ne pas comprendre le sanctuaire, pas qu'Adventiste. Et c'est ça que fait. Même moi choisi pour être capable d'attirer attention l'église et le monde, tout le monde en général sur le sanctuaire. Et pendant une semaine ça, nous pourrons considérer le sanctuaire comme étant clé toute délivrance qui existait. Le sanctuaire clé de délivrance. À Soya, comme introduction déjà, nous voulons considérer avec vous sept raisons qui amène au monde dans le sanctuaire de Dieu. Sept raisons qui amène au monde dans le sanctuaire de Dieu. Sept raisons qui mène au monde la caille bon Dieu. Si je voulais poser question à Soya, pour me demander qui ça motive au venir là. Qui ça faut quitter la caille ou juste côté ou rete, pour drive je ne sais pas combien de miles pour arriver jusque là. Qui ça pousse au venir là? Peut-être que pour une série de monde, c'est juste parce que yon lot a vini, alors yon même yon profite vini. Gen lot moun ki ka vini parce que oblige vini, yon pa ka kite yon pou kont pa yon la kay la. Ou bien gen moun ki ka décidé pour yon vini parce que yon senti yon boring. Yon pa gen rien pour yon fait la kay la. En sorte que chaque moun ki la ka gon raison pour yon vini. Ou du moins tout, yon moun ka vini juste par habitude. Comme tous les vendredis soir gon bagay. Ou bien yon t'annonce gon bagay, moi là. Qui te m'commence pas dire. Si c'est raison sa yon ta pou mene ou la kay bon Dieu ou fè kove. Si c'est raison sa yon ta pou mene ou vin chita la soye ya, ou fè kove. Et c'est ça que fait m'vle partager avec ou sept raisons qui mene ou moun la kay bon Dieu. Dans Somme 20, nous lis une parole assez intéressante, bien aimé, que je voulais relire avec vous à Soya. Somme 20, le verset 2, elle dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Et au verset 3, il est dit que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. En réalité, moun ki rentre la caille bon Dieu vin chercher secours bon Dieu. Moun ki rentre la caille bon Dieu gon bagay ki a cherché nan main bon Dieu. Moun pa vini pou vini ou gon bagay ko besoin nan main bon Dieu, lò vini là ou vin chercher l nan main bon Dieu. Mais de ki doit pou nda vin chercher l nan main bon Dieu si bon Dieu pa te promettre li. Et c'est cette promesse que m'vle considérer avec ou à Soya. Cette promesse nous joigne que l'Éternel te fait li à Salomon. Parce que lorsque Salomon fin construit le premier temple, il fin faire li, il fin dépenser pour faire li, c'est un bel building, bagaille qui coûte en pile l'argent, et puis dans jour dédicace là, Salomon font prière particulière. Et c'est cette prière que Salomon utilisait pour faire contrat avec l'Éternel, prière que nous joignons dans 2 Chroniques chapitre 6 verset 16 à 40. En fait, Salomon commençait lui-même prière par là pour le capable réclamer promesse que l'Éternel fait.
qui me font une parenthèse à soi pour me dire. Pas mettre à genoux pour prier, sous pas une promesse pour réclamer. Ça va demander bon Dieu à faire son bagage que promette. S'il pas promettre, nous pas demander lui. Et ça fait un bon monde qui a demandé bon Dieu bagage que je me promette que la baille. Alors, la prière, c'est réclamer ou après réclamer promesse que bon Dieu t'a fait à vous. Alors, Salomon met à genoux et puis il fait contrat avec l'Éternel selon promesse que il t'a fait. L'Éternel t'a dit, il va construire une caille pour lui et il va venir habiter dans le temps. Parce que lui-même, c'est Dieu, c'est lui qui a couvri, c'est lui qui a protégé. Alors, Salomon lui-même, il mettait à genoux et il commençait par dire, Seigneur, mais nous construis Kaila pour nous voulons Géo sous lit dans la nuit qu'on la journée. Il demandait l'Éternel pour Géo sous Kaïsa dans la nuit qu'on la journée. Et dans 2 Chroniques, chapitre 6 et le verset 22 déjà, Salomon commençait par la première raison que nous avons évoquée à Soya qui amène au monde la Kaï bon Dieu. De Chroniques chapitre 6, le verset 22. Salomon dit, si un monde péché contre prochain. En fait, premier bagage Salomon évoqué dans le contrat que l'a fait l'Éternel là, c'est un monde qui péché contre prochain. Salomon posait là un problème relationnel. Parce que deux mondes a fonctionné ensemble, ils ont capillé l'autre. Dark langue, moté. En sorte que, qu'a gagné, yon bagaille qui passe entre deux mounes. Qu'a gagné, yon mésentente qui vient poser entre deux mounes. Qu'a un problème quelconque entre deux mounes. Alors là, il commence à poser problème relationnel avec voisins, avec amis, avec moun qui bon côté. Si yon problème, Seigneur, c'est Salomon mandé dans la prière, a dit, si, c'est là yon choisi pour venir. Et puis pour vin mandé pardon tant pris quand on y est en renoncier là répond yo. Alors moun qui vin la caille bon Dieu, première raison qu'amené au vin la caille bon Dieu, c'est là au senti yo gon bagay qui pas marche bien avec moun qui bon côté yo. On sorte que des fois nous qu'on garder nous dit parce que frère a gardé mal, moi même tout me senti la brûler sur l'estomac moi. Pour raison ça, je quitte l'église pour lui. Je ne vais pas venir à l'église encore. Si bon Dieu a la cause, frère a fait ça, je ne vais pas servir bon Dieu encore. Oh, dans le contraire, ce que Salomon fait, c'est exactement le contraire. Lorsque nous sentons un bagage qui n'a pas marché, avec frère, nous venons régler ça devant l'Éternel. Et c'est pour ça que nous venons à la caille bon Dieu. C'est la première raison qui mène au monde à la caille bon Dieu. Des fois, nous avons trouvé que parce que nous différent, un tel pas t'a dû venir encore. Mais nous sommes content contents, un tel pas venu. Mais la réalité, la caille, bon Dieu, fait pour résoudre ces problèmes qui sont entre frères. Qui t'aime dire à soi, si la caille, bon Dieu, pas qu'à résoudre, il ne peut pas me résoudre du tout. Parce que si devant bon Dieu ne pas qu'à résoudre lui, pas que personne qui a résoudre l'encore. Et Salomon, elle t'a prié, elle t'a réclamé là, il compte qui ça t'a demandé. Il t'a voulu que relation ça entre les frères et sœurs te résoudre au pied du maître. Deuxième raison que Salomon évoquait dans sa prière, dans le contrat ça que le fait l'Éternel pour monde qui vient la caille, il posait problème. Relation-nous avec bon Dieu. Première, c'était relation-nous avec voisin nous. Et dans verset 24 là, il dit, si nous péchons, contre où? Nous devons blesser frère. Mais nous devons pécher directement contre bon Dieu. Alors si ça posait un problème avec bon Dieu, à ce moment-là, nous venons là. Caille bon Dieu pour nous résoudre le problème. C'est même problème qui posait un problème avec frère. Quand nous sentons nous wrong par rapport à l'Éternel, qui ça nous fait? Nous fuit. En réalité,
nous toujours pensons que c'est le monde saint qui vient de l'église là, pas vrai? C'est bon monde nous remet qui vient de l'église là. Mais la vérité, Salomon a un contrat que le fac l'éternel là. Il dit si bon monde qui péchait contre vous et qui décidait pour rentrer la caillou, pour venir résoudre problème ça. Koto chita en bon ciel là, t'en prie, côté prière. Deuxième problème ça, spirituel que mon vient régler avec l'éternel. Lorsque nous péchons, Satan toujours a insinué, ah ça li, ou tomber trop bas. Ça ou pas qu'à joindre pardon pour lui encore. Et puis li pousser ou pour capable comprendre que c'est fini pour vous. Parce que l'île parvle pour vous demander pardon. Et c'est là qu'on dit, si m'vini, il n'y a pas gardé mal. Si m'vini, moun n'a pas commencé à longer douette sous moi. Si m'vini, après le monde qui parle dans les oreilles sous moi. En sorte que m'pas qu'à vini. Réalité, si vous sentez que wak bon Dieu, ou gros problème, si vous sentez en contravention avec l'éternel, c'est exactement devant l'éternel pour venir résoudre ça. Laisse ça ou rentrer. Peu importe sa moun t'a gardé, peu importe sa moun t'a va dit, peu importe doit qui t'a va allonger, c'est pour qu'on est où venir là avec yon but ou venir pour résoudre problème ou avec l'éternel. Et c'est ça que fait. Moun qu'on dit ou vinn l'église, ah pas gagné l'église à jodia. Pas jamb pas gain. Parce que gen bagay pour nous régler avec l'éternel. At least n'a rentré et n'a sorti pardonné. Si pour ta rentrer dans ton bon Dieu, pour ta sortir avec fado péché là, ou faire corvé. Et c'est exactement ça que Salomon comprend. Qui fait cette deuxième bagaille que le mandé l'éternel pour te quelle les petites liens venir à Kaili. Troisième bagaille que Salomon évoquait dans sa prière. Troisième bagaille ça, c'est pour monde qui reconnaissant que lié. Salomon dit si mon yo vini pour yo vini by gloire à ton saint nom and praise your name. En fait, mon vini la caille bon Dieu pour by gloire au Seigneur. Et c'est troisième raison qui mène au la caille bon Dieu. Ou vini by bon Dieu gloire. Ou vin dit bon Dieu merci ou by gloire pour ça le faire pour ça lier dans la vie. En réalité, son monde pardonné ou pas capable de bon Dieu gloire pour cela. Il est vrai que grand pile monde qui pas fin bien comprendre by gloire. Grand pile monde qui pas bien comprendre ça relé la louange. Qui t'aime commencer et pas dire depuis assoya. La vérité c'est que tout le monde pas qu'à faire louange pour Seigneur. Le psalmiste nous dit que la louange sied aux hommes droits. La louange sied aux hommes droits. En sorte que au cas chanter mon pas faire louange. Deuxièmement, l'on faire louange pour Seigneur, c'est non l'on glorifier par où? Gen chant côté n'a plein. T'écoute à l'heure ça chanter dit forme dit Jésus ça. Ça c'est chant requête nous. Ça c'est chant intercession nous. Mais il pas chant louange. Le a louer l'Éternel, c'est non le a glorifier. Ça fait différence dans chant n'a chanter yo bien-aimé. Mais là vient la caille bon Dieu, ou vini pour compter ses bienfaits. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton cerveau au lieu de baisser la tête. Compte, là commence à compter les bienfaits de Dieu, c'est dit ou a dit comme un bon Dieu grand dans la vie. À ce moment-là, où c'est mon cap louer l'Éternel. Troisième bagaille que Salomon te souhaité, c'est lui qu'on a réalisé leur entrée dans l'église. Ça fait ma pose une question. Pour qui ça, des fois, nous rentrons et puis ne pas chanter? Pour qui ça, des fois, nous rentrons non pas qu'à chanter? Qu'est-ce que tu dis dans l'autre gens? Pour qui ça, des fois, nous venons, nous pas voulons chanter? Est-ce qu'il n'a pas gagné du tout pour nous dire l'Éternel merci pour lui?
quitter Philippines pour me rentrer aux États-Unis. Et puis, il y a un frère qui vient prier là, comme moi. Et puis, dans la prière, là, il y a un bagage assez simple. C'était exactement dans la période côté Malaysia Airlines était disparaître là. Alors, comprendre, mon Asie, il y a un avion asiatique fait disparaître. Moi, je prends un avion, je vais venir aux États-Unis. Et puis, frère a dit, Seigneur, ouais, j'ai un avion qui disparaît. Mais n'est pas si allé pour nous en bien. La vérité, l'elfine dit ça me sourit. Pour qui ça me sourit? Je voyage tout le temps, pas vrai? Tout le temps, malem tourne. Mais dans le voyage, ça. Dans la deuxième tranche de voyage, à côté, m'a fait 14 heures de temps et demi, non-stop. Je suis arrivé dans le moment. Et puis c'est prière frère qui monte dans tes points. Je me rends compte que ce n'est pas un acquis. It's not granted. Que je me fais 14 heures de temps et demi en l'air. Et puis je viens à terre aussi. C'est une grâce que mon Dieu fait moi. En sorte que l'aime fine fait voyage ça. Et puis je mette pied à terre du FK. Femme qui a dit Seigneur, gloire pour nous. C'est pour être capable de compter les bienfaits de Dieu. Et là, nous venons là pour nous compter ça l'Éternel fait pendant la semaine. Ça le fait dans le travail, là. Ça le fait dans la famille. Ça le fait pour nous dans la rue, là. Pendant tes soirées. Là. Nous ne sommes pas capables de bon Dieu gloire, à moins que nous t'ayons gras. Et c'est le troisième bagage que Salomon mentionnait dans sa prière. Pour dire, là, on vient de gloire, Seigneur. T'en prie. Je te regarde sur toi. La vérité. Il faut jouer une raison pour nous bailler bon Dieu gloire. Est-ce que vous pensez aux une raison pour bailler bon Dieu gloire? Nous t'appelons dans une revue l'expérience d'une sœur qui toute bagaille lui-même il joue une raison pour bailler bon Dieu gloire la dernière. Quel que soit sa lié à, c'est pour dire gloire à Dieu. Depuis joue un monde, mon en raconter un petit bagaille comme ça dit gloire à Dieu. Toute bagaille gloire à Dieu. Et monde qui pas comprendre ni comment se sentir agacé toute la sainte journée gloire à Dieu tout côté viré gloire à Dieu et puis nos cliniques côté qu'on allait et puis on trouvait que si madame ça nuit oreille médecin médecin nurse il tout dit juste il y avait tant de pièges pour lui il y a pas personne rendez-vous dans clinique là il gon laisser celle lit qui était pour là. Il vient ivré, il parle une personne monde dans salle d'attente là. Dans waiting room. Nurse à tout médecin cachant dedans. Il dit cette fois-ci, il parle une personne pour parler avec lui. Il parle une personne pour dire gloire à Dieu. Vraiment vrai c'est à Chita là et puis il parle une personne. Et puis il garde ouais revue là et puis commence à passer feuille, l'appli. Et puis tout de coup il entend dit gloire à Dieu. Il dit voilà, il commençait à perdre une feuille. Et puis, il y a sa sortie, il dit voilà. Ouais, ou pas aucune raison pour dire que personne là qui raconte rien. Et de ne pas comprendre vous-même. Viens lire ça. Et puis, il y a sa fini, il dit oui, et après, il dit on ne pas comprendre ça. Il dit non, on ne pas comprendre qui ça lié. Il dit on ne pas ouais que les cris qui profondaient en mer aille. Il y a une revue scientifique qui a décrit. Il y a un côté dans la mer, personne pour que j'aime descendre là. Aucun sous-marin pour arriver là. Et puis c'est a dit, mais l'aime garder bagaille ça yo, on pas capable dire gloire à Dieu. Et puis il y a ça dit, et pour qui ça pour dire gloire à Dieu? Il dit parce que bon Dieu dit c'est dans profondeur la mer là j'étais péché mieux. Alors juste dans fondeur ça m'a pas encore gloire à Dieu. Alors lui-même il connecté avec promesse bon Dieu, il joue une raison pour bailler gloire au Seigneur. Nous lever matin nous dormons la nuit, nous passons la journée, nous bambilons et nous parlons de raison pour nous dire gloire à Dieu. Plein de monde, pendant nos chita là, qui branchait dans toute coyo. Depuis qu'on retire, et puis il souffle. L'Éternel quitte pas nous à psychuler encore librement. Et puis pour ne pas dire gloire à Dieu, l'entable est compter les bienfaits de Dieu. Son seul bagage est capable de sortir dans la bouche. Gloire à Dieu.
Et c'est troisième bagaille qui mène moun la caille bon Dieu. Quatrième bagaille qui mène moun la caille bon Dieu. C'est bagaille matériel yo. Nous Salomon mandé pour capable résoudre problème relationnel yo. Il mandé pour résoudre problème spirituel avec bon Dieu pour bail bon Dieu gloire et puis il laisse elle dit si elle l'entend fermé. Si famine t'a débarqué pour nous pas avoir ici. Ça capable dire rien pour nous. Qui gagne la pluie, qui pas gagne la pluie, ça revient au même parce que c'est pas dans le jardin là, c'est dans maquette, bah oui. C'est dans stone aller. Mais lorsque Salomon t'a dit là, il voulait dire lorsque situation vient difficile, lorsque yo même yo pas qu'à fonctionner et que on décidé c'est la caille bon Dieu pour venir résoudre ça, il dit bon Dieu quand on chita dans le ciel là, répond. Et c'est ça que fait un monde pas qu'à dire il vient là. Il n'y a pas rien que le joigne. Parce que au moins, ça l'a passé dans la vie. Il a parlé avec le Seigneur. Frères et sœurs, est-ce qu'on connaît souvent nos fake prayers? Nous mettons à genoux. Nous parlons avec l'Éternel. Nous racontons. Puis vrai bagaille là, nous ne pas dire. Peut-être que nous n'avons pas courage pour dire. Peut-être que nous trouvons trop simple pour nous dire. Salomon rentre dans la catégorie bagay que moun vin régler lors rentre la caille, bon Dieu. Ou vin régler problème matériel. Des fois, nous pas prenons temps pour nous considérer ça. Parce que nous gagnons l'autre office pour nous frapper là-dedans pour ce problème matériel. Nous gagnons l'autre avocat. Nous gagnons l'autre monde. Nous pensons qu'il est venu pour nous. Nous gagnons social worker qui est capable de guider nous. Et n'oubliez qu'à l'Éternel, oh, nous ne pouvons pas converser ça. Et pas celle bien, n'oubliez qu'on ne nous pas connaître du tout. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, les États-Unis, là-dedans et tout. Et c'est ça que fait, si nous avons des bagailles pour nous régler, pas bon ici. Nous avons dit l'Éternel, pas bon ici. Ça, son bagaille qui mène au monde, la caille, mon Dieu. Salomon continue dans la prière là. Et dans verset 28 là, Salomon abordé problème maladie yo. Il dit si épidémie t'a frappé, si on t'arrivé non ka fou côté maladie débarqué. À ce moment-là, si on choisi c'est devant pour yo venir, réponds au Seigneur en haut dans ciel là. An parler à cœur ouvert soyez. Combien en nous que chita là. Depuis que nous sentons notre tête fait mal, nous pas venir, ah oui. Nous pas venir parce que tête nous a fait nous mal. Alors qu'en réalité la Bible nous a l'autre modèle. Si nous prenons l'exemple de paralytique là, pas vrai? Paralytique. Couchon côté. Li pas même qu'à venir pour qu'on parle. C'est ça on t'a trouvé qui était bon bio t'a fait, c'est potel venir. Potel venir pas suffit. Yo démonté rouflan pour descendre parce que tout ça yo te besoin, c'est pour te trouver devant Jésus. La réalité, si n'pas capoter maladie yo vinn devant Jésus, devant qui est-ce n'va le porter yo? Maladie. Pas une raison pour moun pas vinn la caille bon Dieu. Au contraire, maladie c'est raison qui mène au monde la caille bon Dieu. Pendant m'a dit ça, je pense encore à une expérience que je vis. J'ai seulement 12 ans d'âge. 12 ans, ça fait longtemps. Je suis allé dans l'église Petit Anse au Cap. Laisse ça, c'est un petit tonnel que tu es. Mais c'était flanné, je t'ai flanné. Et pas l'âme de qu'on a l'église. Et puis, joue ça, on va drôle passer l'église. Moi, je venais avec une dame. C'est celle. Pour Axo quelqu'un. Il pas qu'à camper parce que son squelette vivant. Mais son monde dit lui-même, il est déjà mort, classé pour la mort. En fait, ils font bon temps coucher, il pas gagne corps pour aller à l'hôpital. Là il vient aller au médicament, il pas qu'acheter. Sorte que il était là la de péri. Et puis gon gon monde qui vient porter pour lui 40 gouttes. Je me songe montant jusqu'à 40 gouttes. Mais 40 gouttes là pas même qu'acheter un dixième de médicament au bal.
Et puis il dit, achetez un médicament pour 40 gouttes, je vais mourir. Pas acheter un médicament, je vais mourir. Je vais une seule option. Je vais venir jouer l'éternel. Je viens avec lui, je dépose devant cher. Et puis je me regarde, je me dis, mais ça, mon ça, il va faire là. Et puis il balle la parole, il dit, tout simplement, il dit, Seigneur, moi, je pote maladie à Baou. Et pas jambé, il dit, je pote la toute 40 gouttes là. Il dit, Seigneur, je pote maladie à Baou. Je pote la toute 40 gouttes là. Il dit, pour la vie ou pour la mort, c'est où que je connais. Si mon que mieux me dit ça sont faux la prière ça c'est cassapet c'est ça me te dit vrai forme sincère l'église finie yo porté encore mettez son chaise là avec lui et me te curieux pour me connaître qui ça passé après ça samedi après me tourner dans même l'église malé malchita dans premier banc. Moi, je vais bonner avant tout le monde. Parce que j'ai besoin de ça qui a passé à s'allier. Alors, moi, c'est Timoun, moi, je suis curieux. Frère, c'est à ce moment que je comprends que la prière Salomon t'a fait. Bon Dieu, tu prends en considération tout bon vrai. Deuxième monde qui est entré après moi, l'église, c'est dame ça qui a marché sous pied. Deuxième monde qui vient, c'est lui-même. Toujours squelette. Mais cette fois-ci, il n'y a pas pour tel. Dans samedi avant, il dit, Seigneur, je viens pour la vie ou pour la mort. Même pour tes maladies, hein, barou. La vérité, le retourner dans samedi. Sous des pieds. Salomon, tu as raison. Il dit, lorsque nous malades, nous venons et que c'est là nous décider pour résoudre le problème maladie, pour l'éternel, côté le chita, vous régez, gardez-nous. Et son raison suffisante, bien-aimé, pour mener nous la caille, bon Dieu. Salomon continuait d'aller plus loin. Puisque temple est construit pour bon monde, qui aime dire ça comme ça. Temple est construit pour fidèles. Temple est construit pour israélites. Mais Salomon en prière a dit, Seigneur, si un étranger qui ne fait partie de peuple, il t'attendait parler de où? Et qu'elle t'a décidé lui-même tout pour le rentrer là. Pour venir prier. Coutez-le en haut dans le ciel. Salomon a contrat. Fait place même pour étranger. Et c'est ça que fait pas peur. Lorsque nous invitons Mounio venir là, nous disons prier parce que mon Dieu a attendez. Parce que leur rentrer la caille, mon Dieu. Ou qu'on sort, vine fait. Ou pas sautille, j'en t'ai rentré là. La vérité, c'est que des fois, nous comptons toute adresse pour nous bailler mon yo, pas vrai? Mon grand problème, il parle avec nous, on dit, elle n'a telle adresse, ou a besoin de social worker ça. Elle n'a telle adresse, ou a besoin d'avocat ça, free. Elle n'a telle adresse, ou a besoin de médicaments free. Nous comptons toute adresse pour nous bailler mon yo. Et n'oubliez, Dio, vine devant le Seigneur. N'oubliez, Dio, que y a une provision qui est faite pour yo. Même si vous êtes étranger au peuple du Seigneur, le Seigneur qu'attendez voyou si vous venez rentrer la caille. Et dernière raison que Salomon baille pour moun kap vin la caille, bon Dieu, c'est la partie en guerre contre l'ennemi. Verset 34. Il dit, Seigneur, la partie en guerre contre l'ennemi. Et que vous décidez que c'est la caille pour vous venir. Pour vous venir, mandez renfort. Tant pis. Coutez-vous en haut dans le ciel là. Au septième raison, ça. Son raison à souhait. Nous t'aimons encourager pour capable embrasser. Parce que des fois, les nous gagnons des gens qui attaquent nous. Les nous gagnons des boss qui parlent de nous. Les nous gagnons des voisins qui ont mal boulé avec nous. Les nous gagnons des gens dans la famille nous, qui sont censés attaquer nous. En fait, ils ont constitué pour nous ennemis. Mais nous compensons pour y être nous compte. Pour nous faire face à eux. Alors, n'aille pas te coller et puis n'aille prendre mauvais frappe.
N'oubliez que nous sommes capables de venir devant l'Éternel à cause, parce qu'il dit, ou mettre garder silence, l'Éternel a combattre pour. Trop souvent, nous avons bataille pour qu'on ne pas nous, nous pas chercher renforcer dans l'Éternel lorsque nous en difficulté. Bien aimé, c'est la septième raison qui mène au monde, la caille, mon Dieu. Ça fait me songer. Une expérience que je fais à Montréal avec un frère, j'ai passé 2 semaines avec lui. Et puis, il aime arriver, il dit, c'est n'est pas mal, difficile. Il n'a pas tiré, il n'a pas voulu, parce qu'il est noir. C'est vrai, il dit, je suis obligé à louer un autre appartement. Il dit, même on ça ou en face ça là, c'est qui cher bagaille là. Il met garbage yo devant porte. Il nettoie snow, il poule sur le bon côté là. Il rend la vie impossible. Puis il joue un parking la rue à la puis parking ses machines par là, c'est bien ça. Il a arrêté qu'on s'est galéré un bon faux beau là-dedans. Il frappe, il fait exprès puis il décourage dans zone. Il dit, mais pas capable encore. Par la plaque au quartier, me dit oh comme ça même avant de pas capable encore faut demander l'Éternel ça y penser. Il dit bon ça c'est un bagarre ordinaire, nous pas besoin d'entrer bon Dieu là. Ça me dit non bien-aimé, c'est reste à nous faire n'a servi l'Éternel pour grand merci. Les vrais bagarre là venir c'est laisser nous pas parler avec lui. Moi même avec lui n'aller dans l'église et puis le met à genoux nous descend. Me dit Seigneur, est-ce que ouais, est-ce qu'on compte telle adresse? Mais n'a pas ces misères là-dedans. Et puis nous raconter l'Éternel. Ça qui passe? Nous raconter. Mais, dans qui la gagne nous y est dans le quartier. Et puis nous retourner. Ça fait à peu près 9 jours. Et puis nous gardons nous. Il y a un gros choc carré derrière. Devant Kaye en face. Et puis, il a regardé. Il a commencé à bâcler. Il a commencé à bâcler. Mon yo a déménagé. Propriétaire, mais pas locataire. Et puis, là, il a fini plein de machines à braler. Monsieur, c'est pire, c'est ça. Il vient dans la porte là. Il frappe la porte et dit on quitte le quartier à bout. Et puis, on ne dit pas où quitter, bon Dieu, que mettez au dehors. Nous bataillons trop bien, mais il est pour quitter l'Éternel bataille pour nous. Est-ce que vous pensez, il y a une raison, ça y est, tu as quand même la caille, bon Dieu? Alors, là, on a une situation, ça y est. Songez que Salomon te fait contrat pour déjà. Parce que l'Éternel répond à Salomon. Il dit, m'tendez, prions là. Dans 2 Chroniques 7, verset 12, il dit, m'entendez prier là. M'accepter contrat. Ça veut dire, sans mandéa, m'appelle. Et c'est ça que fait journée aujourd'hui. L'aide met à genoux pour nous prier. Nous avons dit, Seigneur, ou te promettre. Si nous avons un petit problème avec frère, nous avons résolu devant nous, nous venons pour nous résoudre. Ou te promettre, Seigneur, si nous sentons mal à l'aise avec vous, nous venons devant pour demander pardon. Nous venons demander pardon. Nous capables de dire, Seigneur, ou te promettre. Si nous-mêmes nous malades, nous venons devant, alors nous malades, mais nous venons. Nous sommes capables de dire, Seigneur, ou te promettre, si nous avons un problème matériel, nous venons pour dire nous venons. Nous disons, Seigneur, ou te promettre, si l'ennemi attaque nous, ou même à faire la guerre pour nous. Et c'est ça qui fait nous venir. Mes raisons qui t'a promis nous la caille, mon Dieu. Chaque fois, nous parlons du sanctuaire. Pour ne pas considérer comme un bagage flou ou un bagage vague. Mais en place. Côté bon Dieu, casser rendez-vous pour le délivrer petit client. On me souhaitait dorénavant, le wap vini ou vini avec un objectif et qu'on bénéficie. Ça, l'Éternel te promet là, à partir du sanctuaire. Et le ça, le psaume 20 et le verset 3 par le sens pour vous. On va songer que David réclamait, vous dit que du sanctuaire, il t'envoie. Du secours. Le secours vient de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.